Hello famille, comment vous allez? C'est comment? 2 jours là. Voilà, 2 jours, vous ne m'avez pas vu. Bon, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo, une vidéo bizarre. Vous vous rappelez qu'en début de semaine, Suspect 95 nous annonçait un titre de son album avec un gros feat. Donc si vous voulez, cette vidéo là, c'est une réaction. C'est une pré-réaction. Ouais, c'est ça, non? Pré-réaction, pas une post-réaction, c'est après. C'est une pré-réaction avant la sortie de ce featuring là. Et il nous a dévoilé. La tête d'affiche de ce featuring là, c'est le grand Youssoupha. Le grand, le père Youssoupha. Donc, c'est autour de ce featuring là qu'on va débattre. Bah oui, on va parler de ce featuring là. Il y a beaucoup à dire autour de ce featuring là par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On va se prendre juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Toujours votre humble serviteur Hitor. Merci de liker et de partager cette vidéo. J'ai besoin de vos avis aussi en commentaire. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que je crois hier ou avant-hier, j'avais fait un post sur ce featuring en question avec le grand Youssoupha. Mais j'ai l'impression que lorsque tu n'es pas d'accord avec une position d'un artiste, c'est qu'automatiquement, tu n'aimes pas l'artiste ou bien tu es contre lui. Je tenais à dire et à souligner que je n'ai rien contre Suspect 95. Je répète, je n'ai rien contre Suspect 95. J'ai réagi par rapport à une situation. Moi, avant d'aller à l'école, avant d'avoir eu le niveau que j'ai eu là, je le dis toujours à qui veut l'entendre, je suis d'abord africain. Vous comprenez un peu? Et chez nous, ici en Afrique, là, le respect des aînés, là, on ne joue pas avec ça. Je dis bien, on ne joue pas avec ça. Vous pouvez justifier ce qui s'est passé entre lui et son aîné de Bordeaux. C'est votre position, je la respecte. Mais ne prenez pas ma position par rapport à une situation bien donnée de l'artiste pour faire croire aux internautes ou bien à la face du monde qu'Hériton a un problème avec chose Suspect 95. C'est archi faux. L'artiste même le sait. Parce que je pense à tout. C'est sorti, je commentais et j'invitais les gens à partager. Je le félicitais à chaque sortie d'œuvre. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé son attitude, bien qu'il nous fait croire que son aîné a menti sur lui, que cela fait de moi un ennemi à Suspect 95, bien au contraire. Voilà ce que je dis. Je dis que il a un album qui est en train de venir, qu'il a annoncé avec 2 morceaux. Dieu merci. Le troisième titre de cet album-là sort aujourd'hui. Mais de vous à moi, imaginez que, après tous ces bruits qu'il y a eu autour de lui, de Didier Louis jusqu'à de Bordeaux les Koufa, c'est la bonne sorte et qu'on n'ait pas le résultat escompté, qu'on soit resté sur notre faim. Vous qui êtes en train de le défendre là, vous allez venir mettre en commentaire ici que donc avec tout le bruit qu'il y a eu autour de toi là, c'est tout ce que tu nous sais, on se connaît, on se connaît. Et c'est ce que j'essayais de faire ressortir dans mes différentes réactions concernant Suspect 95. Parce que je le sais très talentueux, je le sais très bon rappeur, mais je me dis que faut pas qu'il y ait toutes ces polémiques autour de lui et puis son album fasse un fiasco. Mais c'est pas ce que je souhaite pour son album, je suis désolé. Avoir un avis contraire vis-à-vis de quelqu'un ne fait pas de lui votre ennemi, je suis désolé. C'est pas mon mentalité ça, c'est pas ma vision, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc je fais déjà cette réaction-là, avant le décryptage de ce morceau à venir qui doit sortir là, pour dire que j'ai aucun problème avec Suspect 95. Mais il a intérêt à nous servir du lourd. Oui, moi je suis consommateur, donc je peux exiger de Suspect 95 de la qualité. C'est pas parce que tu es talentueux que tous les albums que tu vas sortir vont forcément cartonner. Même si c'est ce que je peux souhaiter, comme tout le malheur pour toi, que ton album cartonne. Parce qu'on a bien vu l'album de Didi B. On a vu combien de fois l'album a marché de ouf et continue de marcher. Plus de 30 millions de streams sur Boomplay, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Fait partie des top 50, je crois, hit Afrique, top album africain, je crois, de l'année. C'est énorme. Donc, je me dis que quand, en griffe, tu fais la grosse tête vis-à-vis de tes aînés, ou bien tu penses tout savoir ou tout maîtriser, ou bien avoir une totale confiance en toi,
Il faut que cet album-là soit à la hauteur. Je ne fais pas mal le disant. Bien au contraire, je mets le petit frère en garde. Parce que si je suis en 95, il est artiste, d'accord, mais le droit d'aînesse primera toujours. C'est mon petit frère. Je ne peux pas sortir du malheur à mon petit frère, mais je ne peux que le conseiller. Je ne peux que l'interpeller. Parce que les consommateurs que nous sommes, la plupart sont des hypocrites. Même ceux qui se disent très fans de l'artiste. Vous vous rappelez ici de Didier Arafat. On a tous fait les éloges de Didier Arafat, mais vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, je crois 3 ou 4 ans en arrière, les derniers titres de Didier Arafat ne cartonnaient plus. Ce son ne moussait plus, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Est-ce que les mêmes fans de Didier Arafat là, se cachaient pas pour dire que Didier Arafat est fini, il n'est plus inspiré, il ne nous fait plus son coupé décalé comme il nous le faisait, il veut faire rap maintenant? Les consommateurs que nous sommes sont très hypocrites. Donc, quand un consommateur comme moi, parmi tant d'autres, sort et prévient l'artiste, ou bien apporte des critiques aux agissements de l'artiste, c'est dans son bien, c'est dans son intérêt. Moi, je gagne quoi de vous à moi? Je gagne quoi à boycotter Suisse 95? Bien au contraire. Le poste en question disait quoi? J'ai dit, Suisse 95, j'espère que ce featuring-là sera à la hauteur. Parce que ce ne sont pas les roses dans tes chaussettes qui vont nous distraire, qui vont moi me distraire personnellement. Et parce qu'effectivement, je suis très concentré sur l'artiste actuellement. Je le suivais, maintenant je le suis encore plus. Parce qu'à la réalité, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il a sorti deux clips. On dira deux clips. Parce que ce n'est pas des morceaux audio. Même si ce sont des morceaux qui annoncent l'album, on sait. Suisse 95 ne peine pas à faire le million de vues comme ça. Vous le savez très bien. Et vous savez très bien que, bien que ces morceaux-là soient très bien, soient des morceaux de très belle facture, je pense pas que ces morceaux soient encore au million de vues. Hein. Voilà. Mélangé à tout ça, des polémiques autour de lui et avec un grand frère du coupé décalé. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui, là, celle que vous êtes en train de regarder actuellement, là, c'est pour vous dire, Suspect 95 n'est pas et ne sera jamais mon ennemi. Loin de moi, cet esprit-là même. Mais quand il y a les vérités à dire, il faut les dire sans langue de bois. Voilà. Son album-là, nous tous, on va faire la promo. Et elle commence maintenant par cette vidéo-là. Donc, je réitère encore mes propos. Suspect 95 featuring Youssoupha. Logiquement, on doit se dire que ce sera quand même quelque chose de très lourd. Parce que deux talents, un puriste, un devancier, un dinosaure même dans ce rap français-là, mélangé au talent du Suspect 95, le résultat sera bon. Mais, si le résultat ce n'est pas bon, honnêtement, je vais sortir. Parce que le décryptage d'une chanson, c'est quoi? Surtout quand c'est un featuring. C'est de montrer la performance des deux artistes sur le morceau. Si sur ce morceau-là, bien qu'il soit intéressant, les apparitions, pour ne pas dire les parties de Suspect 95 ne sont pas à la hauteur, et retour sortira ici pour vous le dire. Avec les arguments qui peuvent suivre avec. Hein. Vous le savez très bien. Mais si c'est bon, le même héritage viendra dire, waouh, chapeau. Rien à dire, du début à la fin. Donc vous voyez, chers super fans d'artistes, nous autres, je le dis, et je ne cesserai jamais de le dire, nous autres au moins, là, vous qui pensez que on n'aime pas vos stars, là, on fait leur promotion, on parle d'eux. Ça leur donne du contenu, et puis ça leur fait de l'actualité. On parle d'eux, on fait leur promotion. Mais vous, beaucoup parmi vous ne vont même pas aller concert. Si ce n'est pas sur YouTube, leur fanatisme s'arrête. À part ça, rien d'autre. Donc laissez-nous critiquer ces artistes-là quand il le faut. Voilà, c'est très important. Donc on se prend ce soir avec le dernier Suspect 95, un des titres de son album à venir, avec le grand Youssoupha. Moi en tout cas, j'attends des PFM. Je suis assis sur mon tabouret et je regarde la notification sur mon YouTube. Ciao, ciao.